Bien, bonjour Olivier Salut. Ezrati. En deux mots, qui est Olivier Ezrati pour ceux qui ne le connaissent pas encore? Ah bah moi, ça fait un bout de temps que je suis dans l'industrie. Je suis consultant indépendant, je suis connu surtout parce que j'écris beaucoup. Moi, ma vocation, c'est de découvrir les sciences et les technologies, leurs usages dans l'innovation et de partager par écrit et par des conférences et d'autres formats avec un public le plus large possible. Pour information, on connaît le guide des startups, le rapport du CES, bien sûr, bouquin sur l'intelligence artificielle. J'en prépare un sur l'informatique quantique. Et j'ai 100 000 bouquins téléchargés par an sur mon site qui sont gratuits. Je ne demande même pas l'email au lecteur. Donc ça permet de diffuser c'est la totalement RGPD, ça. Ah, moi, j'ai pas de nom des gens. Hein. Non, moi, ma vocation, c'est d'essayer de diffuser la connaissance le plus largement possible. Typiquement, quand je fais le rapport du CES, j'essaie de comprendre les bonnes pratiques des exposants et je les partage au plus grand nombre. Au plus grand nombre. Pour améliorer la performance de l'écosystème français dans cette globalité. Alors justement, l'informatique quantique, ouais. C'est pas facile à vulgariser. Moi, j'ai retenu un mot clé qui est qubit. On connaît le bit, le 0 ou le 1 en informatique classique. Le qubit, là, c'est on passe à quelque chose d'autre. Ouais. C'est quoi en deux mots, si on pouvait vraiment arriver à le simplifier, à expliquer, c'est vraiment quand même l'élément clé de l'informatique quantique. Oui, mais en même temps, le problème c'est que c'est le seul que les gens comprennent, et une fois que tu as compris ça, tu n'as rien compris en fait. C'est plus intéressant de comprendre les registres qubits que les qubits eux-mêmes. Ouais. Parce que le qubit, c'est cet objet mathématique et physique qui a la capacité à être à la fois une valeur de 0 et de 1. Mmh. Mais en fait, il faut voir ça plutôt comme un ensemble de chiffres en fait. Et on peut manipuler comme ça ce chiffre-là de manière beaucoup plus sophistiquée qu'un bit. Il y a plus d'informations dans un qubit que dans un bit, et quand on en met plusieurs à la queue leu leu, on est capable de superposer en fait plein de valeurs en même temps, de valeurs numériques, qui permet de faire des calculs complètement dingues. C'est un peu comme si, supposons que tu aies besoin de faire une opération sur plein de chiffres. Mmh. Tu as besoin d'appliquer une fonction au chiffre 1, puis au chiffre 2, puis au chiffre 3, jusqu'à des milliards. Mmh. Si tu as un ordinateur traditionnel, même avec un processeur, tu vas tout faire l'un après l'autre. Tu vas les faire les uns après les autres. L'ordinateur quantique a une caractéristique, c'est cette fonction que tu vas appliquer au chiffre, tu vas pouvoir les faire tout en même temps. En clair, on parallélise. Mais tu parallélises à outrance en fait. C'est-à-dire que c'est la parallélisation ultime, l'ordinateur quantique, par rapport à un ordinateur même multicœur ou multiprocesseur. Alors justement, on parle aussi de suprématie quantique. Oui. Alors ça demeure être peut-être un argument un peu marketing, mais est-ce qu'un jour il y aura une suprématie quantique, autrement dit, on aura atteint de telles capacités de calcul que seul ordinateur quantique pourra le faire. Alors d'abord, il se trouve que l'appellation ne vient pas d'un marketeur. Elle a été inventée par John Preskill, qui est un chercheur américain, qui est un gars très sérieux, hein, qui fait beaucoup d'enseignements d'ailleurs sur l'informatique quantique. Et ça décrit en fait le stade qu'on attendra le jour où un ordinateur quantique, ou plusieurs, vont être capables de dépasser largement les capacités des ordinateurs classiques pour traiter un problème précis. C'est prévu pour quand ça, a priori? C'est prévu, on ne sait pas, on n'en sait rien. Il n'y a pas des courbes qui permettent de voir un peu des exponentielles, qui permettent d'avoir une idée? On peut imaginer que ça pourrait arriver sur des algorithmes relativement simples avec des ordinateurs quantiques de l'ordre de 60-70 qubits dans moins d'une année. Mais d'accord. Quand ce sera expérimenté, ça sera expérimenté sur un seul algorithme. Mm-hmm. Donc en fait, il faut faire très attention à la manière dont ça va être exploité par les constructeurs. Je pense surtout à Google et IBM qui vont probablement être les premiers à communiquer là-dessus. Ils vont dire « Ah, on a atteint la suprématie quantique », donc les médias vont s'en emparer, on dira « Ah, c'est génial !» Mais en fait, ça sera sur un usage en particulier, sur un domaine très précis, avec un ordinateur très précis, mais ce ne sera pas une suprématie générale. Mm-hmm. Donc, il faudra être très prudent dans la manière d'interpréter ce genre d'annonce quand elle arrivera. Donc, autrement dit, ce n'est pas demain que l'ordinateur va tout remplacer, l'ordinateur quantique va tout remplacer, mais on va quand même avoir peut-être par certains domaines, petit à petit, une certaine suprématie. Oui, mais il faut bien voir que la suprématie, elle s'envisage sur des domaines d'application qui, de toute façon, ne sont pas accessibles aux ordinateurs actuels. Oui. Donc, en fait, cette suprématie ne consiste pas à remplacer l'ordinateur classique pour des traitements qu'on fait déjà aujourd'hui. Ça permet d'investir des nouveaux champs de recherche. Ça permet d'aller dans d'autres domaines. Il se trouve qu'il y a des problèmes aujourd'hui qui sont d'un niveau de complexité tel que les ordinateurs, même les plus gros supercalculateurs du monde, ne sont pas capables de traiter. Donc, ça permettra d'élargir le champ, notamment scientifique. Parce qu'en fait, dans les domaines d'application de l'ordinateur quantique, il y a d'un côté des champs, je dirais, business. C'est optimiser un parc de véhicules autonomes, optimiser la production d'énergie. Ça peut être optimiser les investissements dans le cadre de la banque, mais ça va être aussi de faire avancer la recherche. Je pense particulièrement à la recherche dans les nouveaux matériaux et la recherche dans la biologie. Et donc là, on est vraiment dans la création d'une sorte d'outil extraordinaire pour les chercheurs pour faire avancer la science. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a vraiment des usages qui sont déjà en cours ou est-ce qu'on n'est que dans des extrapolations?
Alors pour l'instant, on est plutôt dans des POC, hein, dans le jargon des proof of concept. Proof of concept dans le jargon numérique, à savoir qu'il y a déjà plein d'algorithmes qui ont été testés à petite échelle, sur des petits volumes de données ou des petits problèmes, mais on a une assez bonne idée quand même de ce qu'on pourra faire. On a déjà des algorithmes, par exemple, qui ont testé l'interaction entre des atomes dans des molécules. Alors, on va dire, bon, so what? Ben, en fait, ça peut servir à inventer de nouveaux matériaux, ça. Mm. Alors pour l'instant, on le fait sur des molécules relativement simples à petite échelle, mais ce qu'on a expérimenté à petite échelle, on sait que quand les ordinateurs vont continuer à grandir en capacité, on pourra le faire sur des molécules plus complexes et donc résoudre des problèmes plus complexes de la vie courante. Donc, mais ça sera un outil de chercheur. Et c'est ça qui est important. Il faut comprendre qu'une grosse partie des usages, notamment scientifiques du quantique, ça sera d'aider les chercheurs à trouver de nouveaux matériaux ou trouver de nouvelles thérapies dans le domaine de la santé. Donc le résultat, il est indirect. Ça, c'est un outil de travail. Un peu comme un synchrotron, un accélérateur de particules, en tant que tel, ça ne sert pas forcément à grand-chose. Mais c'est. Mais un jour, on aura une répercussion pour le grand public. Voilà. C'est comme le programme Apollo pour aller sur la Lune. En tant que tel, ça ne sert pas à grand-chose d'aller sur la Lune. Par contre, tout ce qu'on a fait pour y arriver et tous les dérivés scientifiques, on sait, ont abouti à l'invention d'un tas de technologies qu'on utilise tous les jours. Alors. Donc le quantique est un peu dans la même situation. C'est un outil de travail qui permettra et aux entreprises et aux chercheurs d'inventer de nouvelles solutions dans des domaines qu'on n'imagine même pas aujourd'hui. En fait. Justement, on parle des entreprises, on parle de la banque, oui, par exemple. Sûr, oui. Hasard. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme usage de l'informatique quantique? On peut penser bien sûr aux crypto-monnaies, mais il n'y a peut-être pas que ça. La crypto-monnaie n'est pas forcément concernée directement par l'informatique quantique, elle est plutôt menacée d'ailleurs, parce que comme l'algorithme de Shor, qui est un algorithme qui permet de casser des nombres entiers en nombre premier, pourrait rendre vulnérable une partie de la protection des données sur Internet, notamment une partie des blockchains, alors une partie du fonctionnement des bitcoins, pas la totalité, mais une partie, est menacée par cet algorithme. Alors pour l'instant, aucun ordinateur n'est capable d'exécuter cet algorithme de manière à casser les clés du bitcoin, mais à terme, c'est une potentialité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ça pousse des chercheurs et des développeurs de solutions de protection des données, d'investiguer le champ des solutions qui seraient résistantes à cette menace. Et ça fait plus de 10 ans que les gens y travaillent. Hein. Et dans la banque, donc hors crypto. Oui, alors, dans la banque hors crypto, il y a pas mal de choses qui peuvent être faites, qui sont déjà testées à petite échelle. Des algorithmes qui, par exemple, permettent d'optimiser tout bêtement l'investissement dans des portefeuilles d'investissement. Des algorithmes pour les hedge funds qui vont permettre de faire des prédictions sur les risques dans des pays. En fait, tout ce qui est traitement de données complexes. La banque, d'ailleurs comme les assurances, sont des métiers qui manipulent beaucoup de données, des données avec des paramètres, avec des inconnus, avec des incertitudes, des données extrêmement complexes, des problématiques d'optimisation. Typiquement, un problème classique qu'on a en banque, c'est comment on investit un portefeuille. Un portefeuille d'investissement, souvent, il est investi dans plusieurs classes d'actifs. Et les classes d'actifs, elles ont des rendements différents, mais des risques différents. Des risques. Et donc, on essaie de panacher toujours pour essayer de modérer le risque. Et le panachage relève d'une problématique mathématique qui est extrêmement complexe. Et certains éléments de panachage, notamment à des échelles macro, peuvent être optimisés avec des algorithmes fonctionnant sur des ordinateurs quantiques. Donc il y a bien des applications dans la banque. Dernière question, je te cite, tu dis « l'informatique quantique, c'est presque Raymond DeVos ». C'est une phrase que j'extrais d'une conférence que tu as donnée à la Société Générale. Pourquoi tu dis ça? Je dis ça parce que très souvent, on peut faire de l'humour assez basique avec le quantique. Hein. C'est le côté en même temps avec l'aspect macronien des choses. C'est parfois le côté absurde. Il y a une forme d'absurdité à la Raymond DeVos quand on décrit la situation. On a une incertitude énorme sur quand est-ce que ça va marcher. On a des algorithmes puissants mais qui ne servent à rien. On a des algorithmes moins puissants mais qui peuvent servir peut-être à quelque chose et on ne sait pas quand. Donc on peut jouer avec les mots sur cette notion d'incertitude. Et c'est la beauté de l'innovation dans ce secteur. Finalement, l'innovation est intéressante quand elle est incertaine. L'innovation où on prédit tout à l'avance, c'est pas drôle finalement. On a bien vu par le passé l'arrivée des réseaux sociaux, l'arrivée de Twitter, c'est des choses imprévues en fait. Et donc en fait, on est dans un monde quantique qui incarne l'innovation, qui incarne cette notion d'imprévu à un niveau que j'ai jamais vu en fait finalement, puisque j'ai vu beaucoup de choses dans le numérique depuis 40 ans. Et là, j'ai l'impression qu'on est au top du top de l'imprévu, de l'imprévisible, d'où le Raymond DeVos en fait. Merci beaucoup Olivier.